J'ai raconté le deuxième jour. Donc c'était hier. Donc je m'en souviens très bien. En gros, on commençait à 8 h. Et ça avait fait vraiment un choc temporel, on va dire. Enfin, j'en veux les grands mots, mais j'ai vraiment du mal à me lever. Surtout que j'ai 1 heure de trajet. Donc je dois me lever à 6 h pour partir à 6 h 50. Parce que si j'arrive bien à l'heure, évidemment, il n'y a pas de place. Parce que pour l'instant, les gens, ils viennent en amphi. Mais à ce qui est, ça va bientôt se terminer, cette histoire d'amphi rempli et tout. Bref, j'ai eu introduction générale au droit de 8 h à 11 h. Donc 3 heures. Et vraiment, j'ai adoré. Genre, j'avais jamais appris le droit auparavant. Donc, je savais pas trop ce que c'était concrètement. Et le prof il était super gentil et ça se voyait qu'il aimait vraiment le droit et tout. En plus c'était dynamique, donc on s'ennuyait pas trop. Et voilà. Après, c'était marrant de voir comment il conseillait les livres qu'il avait écrits et tout. Parce que j'avais lu des tweets et des posts sur Instagram avant de rentrer en licence de droit. Donc j'avais des rumeurs en tête. Et franchement, 90% c'est vrai. Genre, il y a vraiment des gens en costard, il y a vraiment des profs qui conseillent leurs livres. Le code CV qu'il faut acheter, que j'ai commandé à la FNAC. Du coup, mais je sais pas pourquoi, mais quand on va chercher directement à la FNAC, on paie 1 euro en moins. Donc j'ai pour 19 euros. Bref, voilà. Après, on a eu un grand trou de 11 h à 14 h. Donc ça, c'était bien parce que je parlais avec des gens. Mais c'était long quand même. J'ai pas l'habitude d'avoir d'aussi grands trous. Parce qu'au lycée, on a un emploi du temps. Un emploi du temps sans trou normalement. Et même si on a un trou, c'est que 1 heure. Et en prépa, on avait un truc condensé. Donc voilà. J'avais pas encore ma carte étudiant. Donc j'ai reçu aujourd'hui. Donc je pouvais pas aller à la bibliothèque. Mais bon, de toute façon, je serais pas allée. Pas le deuxième jour quand même. Après, de 14 h à 16 h, on a eu droit constitutionnel. Le prof, il a raconté sa vie aussi. Il a dit qu'il était à Assas. Et qu'il aimait vraiment le droit constitutionnel. Je trouvais, je sais pas comment expliquer, mais il avait du charisme, on va dire. Genre, je sais pas. Des fois, je vois des gens comme ça. Quand ils parlent, ils ont vraiment une prestance, on va dire. Bref, droit constitutionnel, on n'avait que l'introduction. Donc, je sais pas trop quoi en penser, mais je verrai par la suite. Ça va, le cours, il est passé vite, donc. Ça veut dire que je m'ennuyais pas trop. Et après, on a eu à nouveau introduction générale au droit. Ah non, introduction générale au droit, pardon. De 16 h à 17 h 30. C'était bien aussi, c'était la continuité. Et voilà. Mardi, c'était une journée plutôt chargée, entre guillemets, par rapport à lundi. Que dire d'autre? Franchement, pour l'instant, le droit ça me plaît. Et même si je sais que je vais avoir des mauvaises notes, à ce qui paraît, il y a 30%, genre de 30 à 35% de passage en deuxième année. Mais bon, ça va, je pense que j'ai bien travaillé. Enfin, j'espère travailler sérieusement. Et pour notre filière, parce que je suis dans une filière de l'Union européenne ou je sais pas trop quoi, il y a 70% qui passent, donc j'espère faire partie de ces 70%. Voilà, au revoir.